Vous êtes familier de ma chaîne YouTube. Vous avez sûrement remarqué que, en dehors de mes cours de français à l'usage d'un public germanophone et des extraits de ma littérature, je raconte à l'occasion, en français comme maintenant, des histoires de France. Je ne raconte pas l'histoire de France, mais des histoires de l'histoire de France. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de renouer avec cette habitude en vous parlant d'un roi, Charles de Valois, sixième du nom, donc pour faire court, on dit Charles VI. C'était un roi attachant, mais fou. Et cette folie n'a pas été sans conséquence sur l'histoire de France. C'est une histoire à la fois tragique, passionnante, poignante et profondément humaine. Charles VI, fils de Charles V, qu'on appelait aussi Charles le Sage, et de la reine Jeanne, naît à Paris en 1368. Et il deviendra fou à 24 ans. Je vous raconterai comment, pourquoi. Sa mère, la bonne reine Jeanne, a ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles psychiques. Et elle va, hélas, les léguer à son fils. Il semble que ce soit un problème génétique. La France, à l'époque de la naissance de Charles VI, du fils de Charles V, la France est un pays qui se relève, qui se reconstruit, en particulier qui se reconstruit après les ravages qu'a fait la peste noire entre 1348 et 1352, puisque la peste a tué, on pense qu'elle a tué pratiquement la moitié de la population européenne. Et en 1368, la France compte environ 18 millions d'habitants. Non, 15 millions d'habitants. 15 millions, et elle en compterait le double s'il n'y avait pas eu cette peste, cette grande peste noire. C'est un pays donc qui se relève, qui commence à être prospère et qui a un gouvernement, on dirait aujourd'hui, un gouvernement de technocrates. Ces technocrates sont restés dans l'histoire sous le nom des marmousets. C'est un conseil de juristes et de financiers qui aident le roi à gouverner. Et lorsque Charles V, le père, meurt, le petit garçon qui va lui succéder n'a que 12 ans, et le pouvoir va être exercé par ses oncles. La régence va être exercée au début par ses trois oncles et ensuite, peu de temps après, par un seul. Alors ses oncles, c'est important de le savoir, ils sont au nombre donc de trois. Il y a le duc d'Anjou, le duc de Berry et le duc de Bourgogne. Le duc de Berry, il est resté dans l'histoire à cause de ce qu'on appelle son livre d'or. Hein, il existe un livre qu'on peut voir à Chantilly, c'est Les très riches heures du duc de Berry, au château de Chantilly. Le duc d'Anjou, il va mourir très bientôt. En plus, il a un peu pillé les caisses du trésor royal pour aller faire une guerre en Italie. Et le duc de Berry n'est pas très intéressé par l'exercice du pouvoir. Il aime beaucoup lever des impôts, mais exercer le pouvoir, c'est pas son truc, on dirait aujourd'hui. Donc il reste le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Philippe le Hardi est considéré à cette époque-là comme l'un des princes les plus puissants d'Europe. Pour mon public germanophone, le Hardi, ça veut dire der Tollkühne, der Kühne, Philippe le Hardi. Alors il faut aussi savoir que Charles VI a un petit frère de 3 ans, son cadet, qui s'appelle Louis, Louis d'Orléans, Louis le duc d'Orléans. Ils sont très proches et ils s'aiment beaucoup. Par exemple, même à l'âge de 21 ans pour Charles et 18 ans pour Louis, ils continueront à s'habiller exactement de la même manière, comme des frères jumeaux. À l'âge de 17 ans,
Charles va épouser une princesse allemande, conformément aux conseils, aux vœux de son père. Et cette princesse allemande, elle est restée dans l'histoire sous le nom de Isabeau de Bavière. Pour mon public allemand, c'est Isabelle aus Bayern. Elle était, semble-t-il, fort jolie. Et lorsque Charles, qui avait 17 ans, et elle, Isabeau, se sont rencontrés, ça a été ce qu'on appelle le coup de foudre. Ils se sont beaucoup aimés. Et aujourd'hui, leur couple, ce serait un peu. En fait, c'était l'équivalent à l'époque du couple aujourd'hui que forment le prince là et la duchesse de Galles. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, les tabloïds anglais en parlent tout le temps, vous savez, c'est un peu pareil. Au début, donc, c'est un couple un peu idéal. Et puis, Louis, lui, de son côté, il va épouser une princesse italienne qui s'appelle Valentine Visconti, qui est belle, mais qui est très intelligente aussi. Et alors, chose étrange et intéressante, il semble que Charles VI, le roi, ait eu un grand penchant pour sa belle-sœur, la femme de son frère, Valentine Visconti, et inversement, le duc d'Orléans, Louis d'Orléans, va montrer un grand penchant pour Isabeau de Bavière, la reine. Mais je vous parlerai de ça plus en détail tout à l'heure. Je tiens aussi à vous dire que c'est une époque où les Français aiment bien ce jeune roi. D'abord, il est beau, il a des cheveux blonds, c'est un Valois. Il a la réputation d'être un homme très gentil, très doux, et les gens aiment bien naturellement les rois doux et gentils. Il a aussi la réputation de bien aimer les plaisirs de la vie, notamment les femmes. Et déjà à l'époque, il y a 7 siècles, en France, c'est bien vu. Ce n'est pas comme aux États-Unis aujourd'hui. Les Français aiment bien quand leurs gouvernants ont un penchant pour les femmes. Et donc pendant environ 9 ans, entre sa 12e année, date où il devient roi, et sa 21e année, le gouvernement est donc exercé par, au début, les trois oncles, et puis assez vite, par Philippe le Hardi seul, parce que le duc d'Anjou est mort, et parce que le duc de Berry, il s'est retiré dans ses terres, il n'exerce pas le pouvoir. Et Charles ne voit pas d'un très bon œil que Philippe le Hardi lève beaucoup d'impôts. Les Français n'aiment pas les impôts, c'est pareil. Oh non, toi non plus, tu n'aimes pas les impôts, moi non plus, donc ça n'a pas beaucoup changé. Et Charles décide de reprendre les rênes du pouvoir, il décide d'exercer de nouveau le pouvoir lui-même en se passant de son oncle Philippe le Hardi, auquel ça ne va pas beaucoup plaire, mais Charles, c'est le roi. Alors, il n'est pas juste de dire que Charles exerce le pouvoir seul, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler les conseillers de son père, les marmousets. En vieux français, marmousets, ça veut dire petit vieux, hein, ces marmousets, ces financiers, ces juristes qui forment donc un gouvernement de technocrates. Et dans ce gouvernement de technocrates, il y a un homme qui s'appelle Olivier de Clisson, connétable de France. Eh bien, Olivier de Clisson, connétable de France, va faire l'objet d'une tentative d'assassinat. Et je vous raconterai dans ma prochaine vidéo ce que cette tentative d'assassinat va avoir comme répercussion. Je vous dis à bientôt.